Alors, la caille, il y a plusieurs possibilités de préparer la caille, c'est cela? Ah, bien évidemment, la caille. Ah, moi, je veux bien la fourrer avec des lardons et même des œufs. Ah, ce serait une caille façon quiche Lorraine? Oh, absolument, Micheline, ce serait une caille Lorraine. Oh, il doit falloir beaucoup de force pour préparer la caille Lorraine. Salut! Faudrait que tu t'abonnes à notre chaîne, tu sais. On fait des pranks. Tu mets un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche. Ah, je vous connais pas, les gars. Faut que tu mettes des commentaires, ça nous enverra en tendance. Avec McFly et Carlito. Stop, laissez ce jeune homme tranquille. Ah, partage mes vidéos. Non mais Ben, c'était qui ces gens? Des youtubeurs de l'espace. Et si tu veux entendre mon avis, je pense qu'ils étaient pas bien doués. Reste modeste, tu verras, les gens préfèrent ça. Bonjour tous les deux, vous avez de beaux sabres laser. Bon, agent Scully, il est grand temps que vous passiez dans mon bureau pour que l'on parle de votre prochaine promotion. J'ai un truc paranormal à vous montrer, je pense que vous serez impressionnés. Hey Skinner, dites c'est Fox là, je vous ai entendu, c'est un peu de l'abus d'autorité ce que vous faites là. J'aime bien le poster dans votre bureau, Mulder. Vous aimez mon poster? Oui, mais à l'agent Scully, je préfère le postérieur. Vous voulez faire pression sur elle, ça l'affiche mal. Putain, Ben, ça va? Ah, ça va mieux, là. J'ai senti comme un trou d'air. Il y a eu comme un bouleversement, comme si 1 milliard de personnes étaient constipées, et d'un coup, plus rien. Eh ben, déjà que je vous trouvais chiant. Demain, sur M6, Stéphane Plaza vous présente... La maison du diable! Alors Aurélie, tu me dis que cette maison, ça tend la bite. Pas exactement, en fait, ils veulent me posséder, et pour ça, je leur tends la bite. Monsieur, je reviens de la cantine, alors écoutez, il y avait plus grand chose, mais les restes étaient fabuleux. Alors j'ai croisé le chef, je lui ai demandé d'où ça venait, il m'a dit que c'était d'origine extraterrestre. Et c'est exactement ce que je lui disais, c'est qu'ils étaient extraterrestres. Putain, mais j'en ai rien à branler de votre histoire. Spock, saviez-vous qu'il était sourd? S'il. Vraiment, capitaine.